d'autant de puissance. Franchement, un V8 de 6 litres 7 à ce prix-là, c'est une super affaire. Sorti. T'es dans une base, pas dans un ranch, ça devrait le faire. 6 litres 7, ça ne servirait à rien. Ouais, mais n'empêche, c'est une belle occasion. Essayez, les gars. Ouais, pas mal. Il faut qu'on décolle au plus vite. Vous serez bientôt prêt? On est rapide. Dans 30 secondes. Je viens de recevoir le feu vert, messieurs. Préparez-vous. Allez. Sorti. Arrête ça. Pepper. Kozak. Les ingés ont réglé vos camos? Pas mal. Le matos marche nickel, enfin, tant qu'on bouge pas trop vite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un militaire. Il s'est caché dans un camp de réfugiés. Même fournisseur que nos amis sud-américains, on dirait. Plus d'infos sur vos tablettes. Cet homme que vous avez ramené, Paez, a craché une centaine de noms. La plupart ne sont que des troisièmes couteaux opérant en Amérique latine. Mais nous tenons une piste intéressante. Messieurs, direction l'Afrique. La marchandise de Paez n'était qu'une partie d'une cargaison plus importante. Une autre partie a été convoyée en Zambie à un certain Dédé Makaba, un chef tribal angolais et criminel de guerre. Il a passé la frontière zambienne pour tenir boutique au beau milieu d'un camp de réfugiés. L'une de ces cargaisons est en cours de transit. Votre mission consiste à en identifier l'origine. Utilisez Makaba pour y arriver. Notre fenêtre d'intervention est étroite. Vous devrez opérer de jour. Un contact local vous introduira dans le camp. Trouvez Makaba et identifiez son fournisseur. Le matos n'embarque pas assez de puissance de traitement pour camoufler un sujet en mouvement rapide. Mais quand vous restez immobile ou vous déplacez lentement, vous êtes pour ainsi dire quasiment invisible. Avec la vision magnétique, tous les objets métalliques à portée de détection apparaissent sur le HUD. Les mines, les flingues des ennemis à couvert, les caches d'armes, et j'en passe. Le théâtre de mission est quasiment désertique. Ligne de tir dégagée et exposition maximale. Je vous conseille d'embarquer un fusil d'assaut muni d'une lunette tactique pour avoir le choix du mode d'engagement. Courte ou longue portée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le deuxième épisode de mon walkthrough sur Ghost Recon, Future Soldier. Alors vous avez pu voir une petite longueur sur la sélection de l'arme. Je suis vraiment désolé. Voilà, je voulais pas le couper, j'aurais pu, mais je voulais pas le couper, je voulais laisser ça vraiment tel quel. Il m'a fallu un petit peu de temps à ce moment-là pour me décider. Je réfléchissais un petit peu à ce que j'allais prendre. Donc vous, comme vous le voyez à l'écran, et comme vous avez pu le voir dans la cinématique, on se retrouve pour une visite guidée de la Zambie par l'unité de Ghost. Alors vous allez voir une mission assez sympathique, assez intéressante, montrant quand même le potentiel du jeu. Et c'est pas peu dire. Hein. Vraiment, au vu du jeu, c'est vraiment assez sympa. Donc j'ai pu voir que le premier épisode vous a quand même pas mal plu, que certains m'ont posé la question de savoir si ça valait vraiment le coup d'acheter
d'acheter le jeu ou pas. Écoutez, personnellement, voilà, j'ai vraiment adoré le mode solo de Ghost Recon. Le multi est vraiment sympathique. Après, effectivement, voilà, pour moi, ça remplace pas Battlefield 3, loin de là. Mais voilà, de temps en temps, ça change un petit peu, plutôt que de tout le temps jouer à la même chose, et ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant, c'est différent. Donc ça fait vraiment, vraiment du bien. En parlant de rafraîchissant et de différent, vous avez pu voir sur internet que, en précommandant un Medal of Honor Warfighter, vous avez, du moins l'édition limitée de Medal of Honor Warfighter, vous avez accès à la bêta de Battlefield 4, qui apparemment sortirait en... La bêta sortirait en 2013. Donc quelque chose d'assez intéressant. Et moi j'ai donc là, le jour où vous voyez jeudi, j'ai précommandé donc hier mercredi donc cette fameuse ce fameux du moins Medal of Honor Warfighter en édition limitée. Et d'une parce que le jeu m'a l'air super super sympa, déjà au moins pour le mode solo. Et en plus pour le mode multi, quand on voit les images du multi, ça m'a l'air vraiment vraiment bien. Je pense que ça sera entre Battlefield et Call of, à mon avis un petit mélange des deux. Donc je pense que ça sera un jeu très intéressant qui sort, si ma mémoire est bonne, le 25 octobre. Voilà. Alors à savoir après si le multi tient la route, vraiment, hein, j'insiste vraiment, si le multi tient la route, je ne pense pas prendre Black Ops 2, parce que moi personnellement, les vidéos que je vois de Black Ops 2 ne me font pas envie à l'heure actuelle. Alors j'espère éventuellement qu'il y aura une bêta de Black Ops 2, même si j'y crois pas trop, de façon à pouvoir tester le mode multi. Sinon ben, j'attendrai qu'il sorte, histoire de voir un peu à travers les vidéos, de vraies vidéos de gameplay faites et des et les avis donnés par les joueurs, par donc évidemment par la communauté, par les sites de jeux vidéo, pour voir si vraiment je le prends ou pas. Si vraiment c'est un remake de Black Ops ou de Modern Warfare 3, vraiment je me lancerai pas dans l'aventure. Il y a déjà tellement de youtubeurs qui font du Call of que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Allez, je me relance un petit peu dans le gameplay. Alors là, vous avez pu voir qu'il faut, on va dire entre guillemets, infiltrer un camp. Donc, et pour infiltrer ce camp, il faut que je trouve un autochtone qui va m'aider à, ben justement, à infiltrer le camp, qui va m'amener au camp. Donc là, vous voyez, hein, faut que j'aille. Mon premier point est là-bas, hein, 240 mètres maintenant. Et donc c'est un point d'observation. Donc on va traverser plusieurs petits villages comme ça, et avec quelques ennemis. Et c'est là qu'on va apprendre justement à faire le tir synchronisé. Donc là on sait pas le faire encore, et on va nous l'expliquer. Donc là voilà, faut que je rampe pour éviter de me faire croquer par la milice, parce que je pense que là avec deux véhicules, à mon avis, si je me fais choper, ça va chier. Voilà, donc on laisse passer les VL. Oui, les VL. Ça, c'est l'habitude du boulot. Les véhicules légers. Vraiment, je sais pas si vous avez remarqué, mais pour encore un petit peu plus, pour ajouter un petit peu plus de réalisme, ils ont mis quand même. Enfin, du moins, ils ont fait en sorte que les squads parlent beaucoup entre elles. C'est-à-dire qu'on a les. Nos potes qui indiquent s'ils voient des ennemis, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, s'il faut se coucher. Vraiment, je trouve ça sympa. Il y a une interaction entre les personnages. Et c'est vraiment, vraiment bien fait, bien réalisé. Contact, apparemment c'est un soldat. La voiture. T'as une idée de ce qu'ils font ? Vous voyez, le mec, il dit ce qui se passe. Il est en faction. Et c'est, ouais, c'est vraiment sympa. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très très sympa. Donc là, il y en a un devant le véhicule, il y en a un au fond là-haut.
Voilà, donc pour marquer nos adversaires, c'est R2. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Après, en fonction du marquage, nos partenaires vont se mettre en position pour éliminer les cibles. Donc là, voilà, je vais lancer un petit capteur. Voilà. Histoire d'être sûr qu'il n'y ait plus personne. Comme ça, ça évite de se faire prendre par surprise et surtout de lancer une éventuelle... Deux cibles marquées. Paré à tirer. Allez, hop. C'est quand il veut. Cible abattue. Là, vous voyez, à ce moment-là de la partie, si on avait su faire, du moins si j'avais su faire le tir synchronisé, on aurait pu éliminer les deux, là. En même temps, sans aucun problème, en toute discrétion. Ouais, et vous allez voir peu plus tard dans le jeu que le tir synchronisé est vraiment une arme très importante dans ce Ghost Recon. J'ai perdu ma cible. Vraiment, si on sait bien l'utiliser, si on l'utilise à bon escient, bah, y a moyen, je pense, de même faire des missions complètes sans mourir et sans se faire choper. Mis à part quand c'est vraiment scénarisé, où effectivement, là, après, il n'y a pas forcément le choix. Donc là, il y a du monde en face. Regardez. Hop. Là, encore un. Voilà, un petit capteur encore. Hop. Et il m'indique 4 cibles. Voilà. Hop. Le deuxième. Le troisième. Et regardez à droite. Voilà, il y a un quatrième, vous l'avez vu, je ne l'ai pas marqué. C'est quand tu veux. Mais il y en a surtout un qui arrive là. J'attends le signal. C'est bon. Et lui, voilà. Vous voyez, j'ai failli me faire choper. Et là, je vais me faire choper. Voilà, lui m'a remarqué. Donc du coup, les autres derrière sont en alerte. Là, j'ai vraiment fait le con. Maintenant que je revois le passage, au début, je voulais réussir à aller derrière lui pour l'éliminer silencieusement, de façon à pas alerter les autres. Mais finalement, j'ai fait tout le contraire. Je me suis fait repérer et du coup, ça a déclenché l'alarme. Du moins l'alarme. Ça a déclenché l'alerte sur ce camp-là. Donc là, voilà, on a éliminé le... On va dire les premiers groupes d'ennemis. Et maintenant, on va à notre premier objectif qui était ce point d'observation-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va apprendre à faire les tirs synchro. Je vous laisse la cinématique. Ça, c'est un putain de camp. Sans aide, impossible de trouver Makaba là-dedans. Si on attend une vue aérienne, on risque de le rater. Encore plus si on entre là-dedans en aveugle. Overlord, Hunter, il nous faut un relevé satellite du camp. Monsieur Hunter, on vous transmet ça sous peu. Ce camp est une véritable poudrière. Parler d'une crise humanitaire, c'est encore bien loin du compte. La clique de Makaba a la haute main sur tout. La nourriture, l'eau, les fournitures médicales, et j'en passe. Ce qui leur échappe encore, ils le contrôlent par la peur. Voilà notre homme. Dès que vous serez infiltré, suivez-le comme votre ombre. Il vous guidera jusqu'à la cargaison. Makaba tire toutes les ficelles, d'une façon ou d'une autre. Le nœud du problème, c'est Makaba. Il est votre priorité absolue. Reçu, Overlord. Combien de temps avant infiltration? Votre contact est déjà sur place. Il a tout intérêt à se faire discret, mais évitez d'attirer l'attention sur lui. Il risque sa vie pour vous infiltrer sur les lieux. Bien sûr. Je vais au point de ralliement. Donc voilà, maintenant, vous pouvez voir que mon deuxième objectif est juste en contrebas, là. Et voilà, regardez à l'écran, on va nous apprendre à faire le tir synchro. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. Regardez, hop. Il va falloir, d'abord, très important, se mettre en camouflage, de façon à pas se faire repérer. Ensuite, on vise. Hop, on va marquer, voilà, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième cible, juste à côté, là, sur la gauche, voilà. Et quand on est prêt, je suis prêt.
Je la marque pas ou je la marque, je sais plus. Voilà. Une fois, quand vous la marquez, en fait, une fois que vous vous arrivez à viser dans la tête, regardez, il y a un petit laser qui va apparaître. Et ce petit laser, en fait, suit. Donc, c'est entre guillemets, si le mec ne court pas, s'il fait juste des petits pas comme ça, on va dire que c'est une visée automatique. Ça veut dire que votre viseur va rester sur sa tête tant qu'il fait pas, je vous dis, tant qu'il court pas d'un bout à l'autre du camp. S'il fait un ou deux pas sur le côté, à cette distance-là, si vous voulez, le viseur bouge automatiquement. Donc, c'est important de marquer toutes les cibles. Si vous en avez 4, marquez bien vos 4 cibles. Mettez-vous sur la tête de votre cible à vous, puis après vous êtes tranquille, vous attendez que les 4 soient prêts. Et puis une fois au moins que vos 3 partenaires soient prêts, donc vous, avec vous, ça fait 4. Une fois que vous 4 vous êtes prêts, pas vous tirer. Et ça déclenche les tirs de vos camarades. Si toutefois vous avez que 2 ou 3 adversaires, vous marquez les 3 cibles. Et vous restez tranquillement à l'abri. Et une fois que les 3 cibles, du moins que vos 3 partenaires ont choisi une cible chacun, qui sont prêts à tirer, vous laissez appuyer R2 et pour le coup vos partenaires vont tirer, vont éliminer les menaces. Et c'est quelque chose que je vais beaucoup utiliser dans le jeu, tout simplement parce que ça permet d'éviter de faire des conneries et c'est plutôt sympa. Hop, alors là, on descend du camion. Et on est prêt pour aller infiltrer le camp. Et éventuellement, choper Makaba. Donc là, toujours hein, en camouflage. Parce qu'il faut infiltrer le camp sans donner d'alerte. Vous avez l'objectif à l'écran. Et ça peut paraître beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il peut y paraître. Même si on est en camouflage optique, il faut quand même être attentif à tout ce qui se passe de façon à pas se faire choper par un garde pour pas donner l'alerte, sinon faut recommencer au dernier checkpoint. Donc là, il y a 2 cibles. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'éliminer vos adversaires, vous pouvez très bien les laisser en vie. Ça, de ce point de vue-là, vous êtes assez libre, hein, n'y a pas de souci. Si vous avez aucune obligation de les tuer, s'ils sont pas vraiment sur votre chemin, s'ils vous empêchent pas de passer, à la limite, laissez-les. Surtout que là, je pense que si vous les tuez, à mon avis, c'est un coup à donner l'alerte. Et éventuellement, hein, on va dire assez important, n'hésitez pas à rester en retrait, de façon à suivre vos partenaires. Vous allez voir que moi, une ou deux fois, je vais partir un petit peu en avance. Et que finalement, c'est pas forcément bien joué, il m'arrivera rien, mais c'est quand même assez intéressant de suivre vos coéquipiers parce qu'ils restent tous les trois, ils restent bien groupés. Et disons que pour garder cet esprit tactique de jeu, vous voyez, regardez, ils restent tous les trois. Et là d'ailleurs, vous voyez, j'ai un petit peu trop avancé, je vais les attendre. Je vais avancer encore un tout petit peu, puis je vais les attendre. Parce que eux ne passent pas forcément par le même chemin que nous. Allez hop, là ils sont bien à la traîne. Voilà, les gardes ne se méfient pas. Les passants, les civils nous voient. En passant à côté de nous, ils partent un petit peu affolés comme s'ils avaient vu un fantôme. Ah, ça porte bien remarqué en même temps. Ghost Recon, ça porte bien son nom. Voilà, c'est pareil, il y a des zones de jeu. Donc c'est vrai que les camps, la map est grande, mais on peut quand même sortir, c'est quand même des grands couloirs. C'est vraiment des couloirs, donc on peut sortir de sa zone de jeu. Et c'est pareil, si on reste trop longtemps en dehors de la zone, c'est un coup à avoir à recommencer au checkpoint précédent. Là, un petit capteur, histoire d'être sûr du nombre d'adversaires. Voilà. Regardez, hop, là je les suis. Regardez, vous avez vu le civil là? Il est couché par terre.
je vous dis vraiment comme si vraiment il voyait un fantôme. Au moins on est tranquille, il donne pas l'alerte, il crie pas, il... En même temps les gardes sont pas très attentifs parce qu'un mec qui se couche par terre, moi je me poserai des questions mais... Regardez là, elle me regarde, je vous dis vraiment, limite les yeux exorbités qui sortent, elle part là, elle part en courant. Ah, moi je serais un garde, je sais, je me poserai des questions, mais après... Donc là, regardez, encore une fois, eux partent en courant, ça n'alerte pas les gardes qui sont là, ma foi. Voilà, le capteur est mis. Maintenant, on va pouvoir marquer nos cibles. Regardez, voilà. Regardez, voilà, le deuxième est prêt. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous maintenez R2 et ça tire. Regardez. Boum. Et voilà. Ils sont tombés. Pas de soucis. Moi, j'ai rien eu à faire si ce n'est marquer mes cibles. Eux font tout parce que eux ne loupent pas leur tir. Vous, si jamais vous avez le malheur de louper le tir, bah forcément ça donne l'alerte. La mission est finie, il faut recommencer. Alors vraiment, que vous avez la possibilité, on va dire, de faire ça de façon assez facile, n'hésitez pas. Vraiment, utilisez-le, c'est la manière la plus simple de réussir la mission. Voilà, donc maintenant il faut qu'on suive Makaba. Là vous avez pu voir que je suis passé par-dessus le truc malgré mon ennemi. C'est un risque que j'ai pris. J'aurais pu attendre et le tuer discrètement par derrière comme on a pu faire dans la mission précédente. Hop, donc là, regardez, il est toujours là. On le suit, mais pas trop près non plus, hein. On va éviter de prendre le risque de déclencher une alarme. Donc là, eux ne bougent pas. J'ai deux soldats juste là. À droite. Voilà, lui. Comme ça, nickel. Une élimination silencieuse. Regardez, hop, le capteur, voilà, histoire de voir exactement combien il y a d'ennemis. Donc là, il y en a 3. Je marque mes cibles. J'attends qu'ils les mettent en joue. Et une fois que c'est fait, regardez. Boum. Et voilà. Les 3 sont tombés. C'est tranquille, pépère. Donc là, toujours pareil. Hein, ne pas trop coller Makaba. Histoire d'être sûr de pas déclencher d'alerte. Ça serait con de recommencer maintenant. Vraiment, n'hésitez pas à bien prendre votre temps. C'est comment dire, c'est quand même de toute façon très scénarisé le jeu. Donc les ennemis bougent de manière comment dire. Là vous avez vu une autre manière d'éliminer. Je tire et je me jette sur lui pour rattraper le corps pour pas que ça fasse de bruit en tombant. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, je disais, c'est vraiment scénarisé, c'est-à-dire que les personnages ne bougent que quand vous bougez, c'est-à-dire quand vous arrivez à un certain endroit, le garde se met à bouger et va là où il doit aller. Hein, voilà, pour être plus précis. Donc du coup, prenez votre temps. Ne vous dites pas, lui ne va pas avancer comme un malade, il marche. Vous avez le temps pour y aller. Hein, c'est vraiment, entre guillemets, tout cool. Donc pas besoin de se presser, de se dire, allez, je le suis, culotte, sinon je risque de le perdre. Non, vous avez vraiment le temps. Donc vous avez pu voir la vue magnétique, ça je vous l'avais expliqué dans le, je crois que c'était la vidéo précédente ou dans mon test, je sais plus où c'est que je l'ai expliqué, je me souviens plus. Donc vous voyez la vue magnétique, hein,
nous permet de voir les armes, forcément, et tout équipement métallique que peut porter un adversaire, un véhicule. Voilà, ça nous permet vraiment de pouvoir voir à travers les choses. Donc c'est une vision assez intéressante. Allez, je vous laisse profiter de la cinématique. Voilà, donc maintenant, plus besoin de Makaba, donc là ça va être tranquille. On peut maintenant déclencher une alerte. Voilà, là pareil, je balance mon truc histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas plus d'ennemis que prévu. Voilà, hop, je marque mes cibles. 3, le quatrième là-haut. Et regardez bien, et voilà. Donc c'est pareil, quand vous êtes en tir synchro, ça je l'ai pas dit tout à l'heure, quand vous déclenchez votre tir, les autres tirs, et il y a une espèce de petit truc de ralenti, une caméra au ralenti, hein, c'est juste pour montrer que vous avez bien réussi votre tir synchro. Si toutefois la caméra ne passe pas en mode ralenti, c'est que votre tir synchro est raté. Hein, donc ne vous jetez pas, n'avancez pas comme un, on va dire comme un sourd, sinon vous risquez de vous faire éliminer. Donc là, je marque mes 4 cibles avec celui du haut là-haut. Voilà le quatrième. Moi, vous voyez, regardez la caméra. C'est pas moi qui l'a fait bouger. Hein. Elle bouge toute seule. Hein. Donc là, regardez. Ouf, je l'avais bien loupé. J'ai pas pris le temps de laisser le petit laser apparaître. Donc histoire d'être sur la tête. Voilà, un petit peu de précipitation. Donc c'est entre guillemets mal joué de ma part. Hein, même si voilà, ça n'a aucune conséquence sur la mission, parce que je suis pas mort, parce qu'il n'y a pas eu à recommencer, mais voilà, c'est un peu mal joué de ma part. À 3 heures. Deux soldats. Ah, lui. Un bec. Nickel. Il y en a un qui l'a eu. Allez, lui. Boum! Il a mis sa main, mais je pense qu'en vrai, à la vitesse où partent les balles, il a même pas le temps de monter sa main. Direct.
après que l'avion se prépare à décoller. On va faire en sorte que ça arrive pas. On nettoie l'aérodrome. Donc là, voilà, maintenant, il faut qu'on aille intercepter l'avion qui était censé amener les armes pour Makaba. Et vous allez voir que c'est un passage qui va me poser quelques problèmes. Pas que ce soit super difficile, juste parce que j'ai eu du mal à comprendre ce qu'il fallait faire et comment le faire surtout. Deux ennemis. J'attends ton signal. Parlez à tirer. Voilà, donc là, on a éliminé les deux mecs silencieusement. Donc là voilà, j'ai déclenché une alerte. Voilà, ils ont eu l'alerte et malheureusement, vous allez voir que l'avion, forcément, bah, va pas rester au sol. Hein, l'avion va se barrer. Donc voilà, le problème c'est que vous voyez, il faut détruire l'avion, du moins détruire le réacteur, hein, il vient de le dire. Mais le problème, c'est que pour détruire le réacteur, il faut réussir à se mettre quand même à bonne distance et pouvoir viser. Et regardez, bah là, hein, maintenant, hein, c'est quand même un peu cuit. Donc là, c'est voilà, c'est de ma faute parce que j'ai mal joué le coup, que j'ai fait déclencher l'alerte. Et donc du coup, bah voilà, ils ont pu aller... eux ont déclenché l'alerte, l'avion s'est barré et la mission est un échec. Donc on recommence au point, au dernier checkpoint. Donc là voilà, on va se la refaire moins crispée. Donc là voilà, maintenant vous avez l'habitude. Hein. On marque 1, 2 et 3. J'attends que 13 prenne le troisième. Une fois que c'est fait, boum. Voilà, ils sont éliminés. Donc maintenant, on peut essayer d'avancer un petit peu vers les bâtiments. Plus discrètement, surtout. Donc là, regardez, il y en a un dans le hangar, là-haut. Il y en a un devant le hangar. Et deux là. Donc là. Le premier. Le deuxième. Voilà, le deuxième. Le troisième là-haut et le quatrième là. Je passe en vue de visée. Voilà, vous avez vu le petit point bleu qui s'est allumé. Ça, c'est l'espèce de laser que vous avez sur votre gauche là. Donc là, vous avez vu, tir synchro, caméra ralentie. Là, tout s'est bien passé. On avance, messieurs. L'avion va pas s'éterniser. Non, effectivement, l'avion ne s'éternise pas. Il n'y a pas énormément de temps pour réussir à faire l'objectif. Allez hop, 1, 2. Et regardez, encore une fois. Regardez. Là pourtant, je pensais l'avoir eu. Et ben non, manqué. Donc du coup, l'avion s'est barré. Pourtant, hein, j'ai attaqué à tirer dessus d'entrée de jeu. Hein. Donc là, c'est pareil. C'est pas nécessaire d'attendre que l'avion s'en aille. Hein. Tout de suite, start et on recommence. Donc encore une fois. Vous voyez, vraiment parce que je joue mal le coup, plutôt que de m'occuper des trois gardes du bas. Une fois que ça me marque détruire, l'avion bouge pas encore. Donc c'est là que c'est le plus simple. Il faut tirer dessus. Camouflage. Tant que l'avion est statique, n'hésitez pas. Hein, dès qu'il y a le truc marqué, détruire l'avion, détruire le réacteur, détruisez-moi ça. Ne perdez pas de temps. Sinon, il va vous arriver les mêmes bricoles qu'à moi. Moi, vous voyez, hein, ça fait déjà c'est la troisième tentative. Tout ça parce que je suis pas forcément très attentif, très aware. Et pas forcément très réfléchi dans mes actions. Alors que je devrais m'occuper de l'objectif principal en premier, ce qui paraît logique.
Voilà. Là. Ils sont sur le balcon. Voilà, je me mets à couvert. Et le numéro 3. Lui et lui. 4. Comme tout à l'heure. Voilà, tir coordonné, là, pas de souci. Mobile. On avance, messieurs. L'avion va pas s'éterniser. J'en ai un autre visuel. Là, voilà, donc oui, effectivement, après, il en a un visuel, c'est normal, il y en a partout. Je vous le cache pas. Là, regardez. Voilà. Objectif atteint. Là, vous avez vu. J'ai pas perdu de temps. Du moment que ça m'a demandé de l'abattre, je me suis occupé que de l'avion. J'ai pas cherché à éliminer les mecs. J'ai laissé mes partenaires s'en occuper. Donc là, il y a un mec là-haut dans la... Voilà, dans la tourelle. Du moins dans la tour de garde là-haut. Il y a un type. Donc là, le gros boom que vous avez entendu, c'est l'avion qui vient de se crasher. Alors là, moi j'ai été super maladroit. D'autant plus que vous avez pu voir que le Ghost Leader est à terre. Alors vous avez la possibilité, quand vous avez un partenaire à terre comme ça, de le viser comme vous viseriez un ennemi. Et d'appuyer sur R2 de façon à ce que l'un de vos partenaires aille le raise, tout simplement. Parce que c'est pareil, si le mec meurt, la mission est terminée. Donc voilà, là il s'en est occupé sans que je lui demande. Ce qui est assez sympa de sa part. Voilà, là je récupère les munitions histoire de me remettre à fond. Et là maintenant, on va aller sur le site du crash. Et c'est là que vous allez pouvoir voir, on va dire, un beau truc. Moi je trouve que c'est assez sympa l'espèce de tempête de sable là. C'est bien réalisé, c'est bien foutu, donc ouais, c'est graphiquement c'est assez sympa. Ça change un petit peu en plus le truc. Regardez la carcasse d'avion à droite. Bon, c'est pas celle-là. C'est pas la nôtre, hein. C'est pas celle sur laquelle on doit aller. Donc là, des ennemis. Regardez, la tempête de sable avance. Là. Je vais pas avoir assez. Si, c'est bon. Voilà, là j'ai éliminé la voiture parce que j'ai jeté ma frag juste à l'endroit où il fallait. Donc maintenant, vous voyez, on est à peu près 250 mètres de l'objectif. Regardez, si j'enlève la vue magnétique, on n'y voit rien du tout. Donc c'est là que cette vue est assez importante, ça nous permet de nous déplacer, vous voyez là en face de nous c'est un feu, le feu là, vous voyez, hein, donc ça fait une chaleur, donc forcément on peut le voir. Sur la gauche vous avez un véhicule, donc du coup c'est pareil, avec la vue magnétique on le voit. Je pense même que à droite c'est vous savez, les espèces de petits trucs ça y est, des fusées de détresse qu'on craque là et qui font une espèce de lumière un peu rouge. Je pense que c'est ça qui était posé par terre de façon à ce que ils puissent se retrouver dans le chemin. Du moins, de façon à ce qu'ils puissent retrouver leur chemin malgré la tempête. Ça c'est pour les ennemis parce que nous on en a pas besoin. Voilà, donc là on avance progressivement, regardez, 80 mètres. Alors si vous vous demandez
pourquoi j'ai pris mon temps pour lire le 80 mètres. Tout simplement, c'est entre guillemets une manière facile de pouvoir caler le son. Parce que vous savez, hein, au début dans mes vidéos, j'avais un petit problème de décalage sonore. Et bah du coup maintenant, je me fixe des points comme ça. Et je sais que c'est facile pour moi de caler le son après. Voilà, je sais que là, j'aurai juste à venir à cet endroit-là dans le logiciel de montage. Et je sais que quand je vais dire 80, au niveau son, bah, faut que ça soit 80 sur l'image. Comme ça, je sais que toute la vidéo derrière est calée. Après, s'il y a un décalage, c'est pas forcément de ma faute. Ça sera le logiciel qui... bah, peut-être que mon PC, il y aura un moment où le disque dur sera un peu surchargé, qui va un peu trop travailler. Donc, ça peut le faire forcer, ça peut décaler le son. Ça arrive. Alors, j'essaye d'y faire attention, de rien lancer en même temps que je monte mes vidéos. Mais voilà, c'est pas forcément tout le temps facile non plus. Donc là, voilà, on s'est rapproché encore un peu plus de l'objectif. Donc là voilà, par contre le truc un peu délicat avec cette vue magnétique, c'est que vous avez pu voir l'ennemi à droite là, on sait pas s'il est avant ou après le véhicule, du moins c'est pas facile à différencier. Donc là bon, lui on l'a vu sortir donc on sait qu'il est avant, mais c'est vrai que la vue n'est pas forcément très très claire de ce point de vue là. Ça nous permet de voir nos ennemis, mais après ça nous permet pas d'être super précis quant à ça. Donc là, comme d'hab, vous avez vu, je marque mes cibles, on élimine, comme ça, pas de soucis. Lui là, voilà, une élimination discrète. On y explose les cervicales. Il n'y aura plus de problème pour tourner la tête, lui. Ah, vraiment, vous voyez, hein, quand on se remet en vue normale, on n'y voit vraiment, vraiment rien. C'est pour ça que la vue magnétique est très importante. Donc là, j'ai marqué ma première cible. Voilà, Ghost Leader l'a éliminé. Là-bas, il y a la deuxième. On va la marquer. Et je vais même... Normalement, si ma mémoire est bonne... Bah non, je pensais m'en occuper, mais non. J'ai donné au Ghost Leader, comme ça. Pardon, encore une fois, pas de souci. Pas de souci, il est sûr de le toucher. Je le marque et j'attends mon laser, que mon laser se mette sur sa tête. Et puis finalement, je ne vais pas tirer. Voilà. J'attendais un petit peu, j'attendais de voir si je pouvais avoir le deuxième en même temps, mais non. C'était pas possible. Là. Voilà. Je le donne à mon Ghost Leader. Vous pouvez voir, hein, le camp est vraiment bondé. Hein. Regardez, hop. Là, c'est pareil, les autochtones, non, les civils, nous voient. Donc, eux essayent de s'enfuir, ils ont peur, ce qui paraît quand même normal.
Hop, lui. Alors, c'est pas moi qui bougeais, hein. C'est vraiment le personnage qui bougeait tout seul. Moi, je cherchais pas, je bougeais pas la caméra. Donc là, voilà. Il y a de l'engagement, tout simplement parce que lui faisait sa garde et qu'il est tombé sur un cadavre. Donc pour le coup... Bon, par contre, après, il savait pas forcément sur quoi il tirait avec la tempête. Hein. Il y voit pas aussi bien que nous. Donc c'est à partir de là que ça commence un petit peu là à se transformer en action. Là, il y a vraiment un peu de monde. Donc là, c'est pareil, j'essaye de bien viser pour pas faire 50 tirs. Hein, mon but est d'essayer quand même d'éliminer mes adversaires le plus rapidement possible. Alors voilà, vous voyez à l'écran, vous pouvez cibler un adversaire et vos trois partenaires tireront dessus. Alors à quoi ça sert? Tout simplement à faire un tir de couverture, par exemple, si vous avez deux ennemis en face qui sont à peu près côte à côte. Vous en donnez un, vous tirez, du moins vous ordonnez à vos potes de tirer dessus. Et vous, ça vous permet par exemple de contourner par un... Vous voyez, moi je pourrais très bien passer à droite, là, donner cette cible là-bas à tout le monde, passer sur la droite de la tente pour contourner et les prendre à revers. Et là vous allez voir, regardez, je me fais tirer dessus, j'ai bien failli y passer. Donc là il y a une grenade. Normalement derrière le machin, on est relativement tranquille. Par contre vous pouvez voir que les grenades, c'est pas les grenades de Battlefield ou de Call of, elles mettent beaucoup de temps à exploser. Parce qu'il y a un moment qu'elle était par terre. Donc là il y a les deux ennemis qui sont derrière là-bas là. Ah c'est pareil, j'ai jeté ma grenade, mais alors maintenant que je la vois n'importe comment. C'était quand même très très mal joué de ma part. Là j'ai bien loupé. Là lui je l'ai touché. Encore. Mais ça ne l'a pas tué. Voilà, lui il est mort. Là c'est pareil, j'ai rejeté ma frag, mais n'importe comment en fait, parce que jamais j'arrive au bout là-bas. Donc là c'est bon, j'ai pu éliminer tous mes ennemis. Et donc on va aller se regrouper à mon objectif. Et là vous allez voir, bah c'est couillon, mais bizarrement, scénaristiquement, je pense que ça doit se dire, regardez, la tempête se calme. Regardez, c'est quand même assez bien foutu, hein. Honnêtement, moi je trouve que, bon, graphiquement, voilà, je sais, il y en a beaucoup qui trouvent que c'est pas exceptionnel, je suis d'accord. Mais ça tient quand même la route, c'est quand même digne des machines. On voit des jeux, hein, honnêtement, qui sont pas forcément dignes d'une PS3 ou d'une 360. Celui-là, moi je trouve qu'il tient la route. Et d'autant plus qu'il est super bien équilibré, justement, avec le gameplay. Donc là, hop, j'ai marqué 3 cibles. 4. Et regardez, il y en a un cinquième. Et là, c'est là que le bas blesse, c'est quand il y en a autant comme ça. Et là, j'ai été un peu con parce que quand j'ai eu tiré sur le mec qui avait pas de marquage, si vous voulez, il y a un de mes trois partenaires, donc ils ont éliminé chacun leur cible. Et après, il y a un des trois qui prend le dernier pour cible. J'aurais dû laisser appuyer R2 et ils auraient automatiquement tiré sur cette cible-là. Donc là voilà, on est, il a tout dit, hein, sur le site du crash ou de l'avion qu'on a explosé tout à l'heure. Et maintenant, ça va être la guerre. Parce que là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde, hein, vous allez voir. Donc là déjà, on va essayer le 4-4. 4-4 très solide à noter. Là, ce coup-ci, la grenade. Je pensais réussir à la mettre à l'intérieur du pick-up, mais je me suis loupé. Donc là, je me prends pas la tête, voilà. J'élimine le mec, vu qu'il me tirait pas dessus. C'était pas moi qui regardais, donc du coup, il était un petit peu à découvert pour moi, donc c'était très bien.
Regardez, là, il y en a un. Voilà. Nickel. Maintenant, vous allez voir que... En fait, ça va arriver par vague. Un petit peu à chaque bout du... de chaque côté du camp. Regardez, lui, il est passé là. Regardez où il va aller se mettre. Il va aller se mettre là-bas. Et là, il y a du monde. Il y a même beaucoup de monde. Et donc là, vous voyez, dans Battlefield 3, pour ceux qui jouent à Battlefield 3, il y a, on va dire, entre guillemets, l'espèce d'atout suppression. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous tire dessus, sans vous toucher, du moins tire dans votre direction sans vous toucher, vous avez l'écran qui se trouble. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Quand l'ennemi tire dans votre direction, il y a une espèce de caméra qui se met en place. Vous ne pouvez pas bouger votre personnage. Il se met à couvert un petit peu par peur. Et donc, du coup, bah, vous ne pouvez plus bouger. Bon là, je me suis un petit peu fait avoir connement, mais bon, ça va. Mon partenaire vient me soigner. Regardez là-bas à droite. J'ai bien une idée où sont les renforts, hein, mais... Voilà. Et regardez, là il y a du monde. Ça va qu'ils ont été maladroits parce qu'on n'était pas à couvert du tout. Et là, regardez, qui c'est qui arrive? Un Black Hawk. Regardez-moi ça. Lui va faire le ménage. Il se met en position et 1, 2, et ça arrose. Regardez, regardez le bug. Il n'arrivait pas à l'avoir. C'est quand même moi qui l'ai dégommé alors que le Black Hawk est de dos. Bon, ça à la limite, c'est juste un petit bug. C'est rien de bien méchant. Et bah écoutez, voilà pour cette mission. Je vais vous laisser avec la fin de la mission tranquillement. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous avez pu voir un épisode quand même assez vivant avec une partie infiltration et une partie assaut sur la fin. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu et éventuellement favori si vraiment ça vous a plu. Vous savez, pour promouvoir un petit peu mes walkthroughs. Et puis on se retrouve très prochainement avec un nouvel épisode. Allez, à bientôt.